Cappuccino, cappuccines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time horreur. Et je pèse mes mots quand je dis horreur. L'histoire que je vous ai trouvée aujourd'hui. Pchar, pchar, elle fait peur. Elle fait très peur. Elle fait beaucoup peur. Mais bon, avant que je commence à vous raconter cette nouvelle story time horreur, j'ai pas encore reçu ce que je dois recevoir. Mais voilà, ça commence. J'aurais voulu que ce soit encore un peu plus sombre, mais j'arrive pas à régler la lumière comme il faut. Mais là déjà, je trouve que niveau pour se plonger dans l'histoire que je vous raconter aujourd'hui, on est pas mal, on est même très très bien. Donc je vais vous laisser le temps de vous installer, pour les plus courageux d'entre vous, d'éteindre vos lumières et de se lancer dans cette nouvelle story time horreur. Ça fait un moment que je n'étais pas tombée sur une histoire telle que celle-ci. Et petit conseil, vraiment, ceux qui ont peur de regarder ça en soirée, préférez la journée. Mais pour les plus courageux qui veulent avoir des frissons, eh bien, on se retrouve juste après. Cette nouvelle story time se passe où? Elle se passe au Koweït. Elle a eu lieu il n'y a même pas 2 ans. La personne qui nous la raconte, c'est la personne qui était la plus proche de la personne à qui cette histoire, cette tragique histoire, cette histoire maléfique est arrivée. C'est son grand frère, un de ses grands frères, qui nous raconte cette histoire. Son grand frère, il s'appelle Jason. Et celui qui a eu l'histoire, il s'appelle Wail. Donc Jason, il nous raconte l'histoire de son frère. Donc au début, quand il parle de son frère, il dit que c'est une personne qui aimait les voyages, qui aimait être avec ses amis, entouré de ses amis, qui aimait beaucoup lire. Il avait une passion pour la lecture qui était vraiment énorme. Il adorait dévorer les livres. Il nous dit aussi qu'il a fait de brillantes études. Et grâce aux brillantes études qu'il avait fait, il a trouvé un emploi dans ce qu'il voulait. Lui, c'était un trader. Ouais, il. Donc, la vie de son frère, de son petit frère, commençait idéalement et était idéale. Eux, ils étaient une famille soudée, normale, pieuse, financièrement à l'aise. Ils étaient bien, ils manquaient de rien. Mais malheureusement, Wail, un jour, il va faire une erreur, et cette erreur, il va en payer le prix. Il va payer un lourd tribut de l'erreur qu'il a commise, malheureusement. Jason, il nous dit que un jour, son frère, il a fait un voyage puis Baladeshem, et quand il était là-bas, je vous ai dit un peu plus tôt que lui, il était passionné par la lecture.
Et chaque pays qu'il visitait, il adorait aller voir quel genre de livres en fait ils vendaient, quel genre de livres ils avaient. Parce qu'à chaque fois, il avait des livres en tête qu'il ne trouvait pas forcément au Koweït. Donc, il disait que quand il voyageait, il pouvait trouver ces livres-là. Donc, il rentre dans une librairie et il trouve plusieurs livres. Plusieurs livres. Mais à un moment donné, il va tomber sur un livre. Ses yeux vont se poser sur ce livre et il va sentir comme un appel intérieur qui lui dit « Prends-moi ». Donc, Dashulfodol, une curiosité étrange, l'a envahi. Cette curiosité-là qui l'a envahi va faire que Wail, il va prendre ce livre. Il va l'ouvrir et il va feuilleter. Bas. Quand il aura ce livre entre les mains, il va sentir quelque chose d'étrange. Et ce livre, il est en train de l'appeler. Et il est, ça y est, il est plongé dedans. Il est vraiment plongé. Malgré juste qu'il feuillette, le sujet de ce livre-là l'intéresse. Donc il se dirige en caisse. Le livre, il n'était pas donné. Il était quand même assez coûteux. Mais il l'a acheté. Mouhim, en bref, après ce voyage-là, il rentre chez lui au Koweït. Il range son livre avec toute sa collection de livres qu'il avait déjà et il va voir son grand frère, celui qui nous raconte l'histoire, Jassim. Il lui dit, « Ya Jassim, tadrishino, ana ashtirit kitab. Wallah, chez Gharib. Tu sais quoi, Jassim? J'ai acheté un livre, vraiment. Il est étrange. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Mais je sais pas pourquoi j'ai senti que c'était obligatoire que je l'achète. Donc Jassim, il lui dit, ah oui, et ça parle de quoi le livre que tu as acheté? Il lui dit, si je te dis, tu vas même pas me croire. Donc Jassim, il lui dit, allez, vas-y, dis, on verra bien. Il lui dit, j'ai acheté un livre qui parle de sorcellerie, de comment faire apparaître des démons, comment faire apparaître Shayatin et Junoun, Bismillah, etc., etc. Et là, Jassim, il se met en colère. Il lui dit, Ent Maynoun, wala Khabel, wala Shino. Est-ce que t'es fou? Est-ce que t'es malade? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Chez haram. C'est quelque chose qui est haram, qui est interdit. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux jouer avec ça? Non, je suis pas d'accord. Et là, il commence à l'enchaîner, à l'enchaîner. Et Wail, miskin, il rigole. Il dit, mais ça y est, c'est bon. Moi, je l'ai acheté plus pour le côté folklorique que pour vraiment faire apparaître quelque chose et tout ça. Et il lui dit, en plus, tu sais quoi? Et Jassim, il lui dit quoi encore? Il lui dit, ce que j'ai un peu lu, c'est que tu pouvais faire venir et faire apparaître Mara Minal Djinn. A'oudou billah. Genre que tu peux faire venir et faire apparaître une femme du monde des djinns, du monde des démons. Et là, pour Jassim, c'était trop. Il a mis ses mains sur sa tête et il a commencé à faire... Wallah, il wanted had a maynoun. À dire, mais vraiment, ce gosse, ce gamin, il est fou. Il est fou, il est fou. Mais non, fais pas ça. C'est un truc de shaitan. Dieu va te punir. Fais pas ça. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas avec ça. Et après, ouais, il rigole. Il dit, mais non, je te taquine et tout ça. Je vais rien faire. Le livre, juste, je l'ai acheté comme ça et tout ça. Mais jamais et tout. Tu crois que je suis un fou? Jassim, il dit, ouais, bah, j'espère bien. Wallah, mara. Je te jure, hein, je ne vais pas blaguer avec toi. Ne fais pas ça. Ne joue pas avec le feu. Donc, ils arrêtent là la discussion. Et Wail, pendant quelques mois, il ne calcule pas le livre. Il est là, dans sa chambre, mais il ne calcule pas du tout.
Et il continue à faire sa petite vie, aller à son travail, aller avec ses amis, passer du temps en famille, etc., etc. Et Jassim, lui, pour lui, le livre, bah ça y est, il en a discuté une fois avec son frère, il lui avait mis les points sur les i, pour lui, c'était une affaire qui était réglée. Basse. Mais vous savez très bien que les story time que je vous raconte, malheureusement, surtout quand c'est horreur, c'est rare que voilà, ça reste... Voici venu le temps des rires et des chants, d'aller joyeusement à la récré en chantant. Donc un jour, ouais, il est en congé et il est chez lui. God, posé, normal. Et ses yeux vont tomber sur le livre. Bon, il va se lever de sur son lit, prendre le livre, se rasseoir sur son lit. Réouvrir son livre et commencer à lire. Et qu'est-ce qu'il cherche? Le chapitre de comment faire apparaître Mara Menalchen, Bismillah. Comment faire apparaître une femme démon, Shaitan. Et il va trouver comment faire. Donc c'est un peu expliqué en amont. Donc il dit que genre c'était écrit sur le livre qu'il fallait du sang d'un certain animal, qu'il fallait des miroirs, qu'il fallait écrire dans un coin par terre un peu sombre, tarasim, certains dessins, certains écrits et aussi des bougies. Et voilà. Donc pour Wael, quand il lisait les caractéristiques de la femme qui pouvait faire apparaître, même si tu l'imagines, c'est impossible parce que ça te décrivait une femme que tu n'as jamais vue sur la terre, une beauté sans pareil qui va venir et qui va t'aimer et qui va te chérir et qui va te combler d'amour. Voilà, lui, il veut ça, c'est ce qu'il cherche. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire la recette qui est écrite, que je vous ai décrite. Donc il l'a fait, il fait tout. Il ramène il trouve l'animal pour le sang, il fait les écrits, il fait les miroirs, il fait tout. Il oublie rien. Et après, quand il a fini de faire ça, eh ben, il se met comme ça et il attend. Puis ça commence à devenir des minutes, puis des heures. Et puis la nuit tombe et il dit mais ça c'est de l'arnaque, c'est n'importe quoi, je me suis fait avoir, voilà, c'est juste des enfantillages et j'ai été bête de croire à ça, nanani, nanana. Si ça existait vraiment, si c'était aussi facile que ça, bah, tout le monde utiliserait ce livre, mais moi j'ai été bête. Et il prend le livre, il le ferme et il le pose dans un coin et il va voir son frère. Il dit, tu sais quoi, j'ai fait la recette pour la femme. Son frère lui dit, de quoi tu parles? Quelle recette? La te gollée, ne me dis pas mal kitab, celle du livre, là, ton livre bizarre. Il dit, si, mais écoute, avant de t'énerver, je l'ai fait et franchement, il n'y a rien. Rien s'est passé. Ça, c'est écrit noir sur blanc pourtant, qu'une femme comme ci, comme ça, va sortir, va m'aimer. Va être avec moi, va me chérir. On va être comme un couple, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est passé. Son frère lui dit, mais ente meinoun, wallah meinoun. Genre toi, vraiment, t'es fou, mais t'es vraiment fou. Ne fais pas ça. Attention, tu vas regretter. Et il engueule. Et ouais, il rigole. Il dit, mais de toute façon, c'est juste une belle arnaque. Et puis voilà, j'ai testé, ça n'a pas marché. De toute façon, ce livre, moi, je ne le calcule plus. Bon, il va. Il dort, il se lève, il va au travail. Tous les soirs quand même, son petit coin, il le regarde comme ça. Il a envie de nettoyer. En même temps, il n'a pas envie de le nettoyer. Il est perdu, donc il préfère le laisser. Et au bout du troisième jour, la nuit, il va rêver. Qu'est-ce qu'il va rêver? Il va rêver Mara, une femme
belle, Jamila Jiden, vraiment, vraiment belle. Qu'il a jamais vu une fille, une femme aussi belle que ça. Et dans son rêve, la femme, elle est habillée élégamment. Elle a une robe blanche, elle a des longs cheveux, des longs cils, des grands yeux, un teint vraiment magnifique. Et elle est belle, elle est belle, elle est belle. Et lui, il veut aller vers elle. Et dans son rêve, il dit que plus il s'avançait vers elle, ou elle, elle recule comme ça. À chaque fois qu'il est prêt, proche, prêt à la toucher, elle recule. Et il se lève. Et il voit que c'était qu'un rêve. Et ce qui va se passer, c'est que pendant 6 nuits de suite, il va faire ce rêve. Donc, il va voir Jason. Il lui dit, tu sais quoi, Yahoy? Tu sais quoi, mon frère? Je rêve une femme que, wallah, sur terre, même si on fait le tour du monde, on ne va pas trouver une femme aussi belle que celle que je vois dans mes rêves. Et là, Jasmine lui dit, tu ne vas pas la trouver, et je sais très bien pourquoi tu ne vas pas la trouver. Son frère lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que c'est tout simple. C'est parce que celle que tu vois dans tes rêves, ce n'est tout simplement pas une humaine. C'est sans doute une personne de ton livre maudit. Une chose de ton livre maudit. Et là, il rigole, il dit, mais non, je pense pas. Ça dit que ça, la chose serait apparue directement quand j'ai fait, ça n'a rien fait. Je pense pas. Bon, Jasmine lui dit, débrouille-toi, de toute façon, toi t'as trop la tête dure. Donc ouais, cette 7e nuit, il rêve. Et cette fois, la femme qui voit et qui rêve, elle va lui parler. Elle va lui dire, Yawa'il, enta lina ditni. Yawa'il, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as fait venir à toi. Maintenant, si tu as envie que je vienne vers toi, il va falloir que tu fasses certaines choses. Et ouais, et il se réveille. Et pour lui, ça, il est persuadé que il approche au but. Mais il s'est réveillé avant que la femme lui dise ce qu'il devait faire pour qu'elle apparaisse à ses côtés, quoi. Donc, cet après-midi-là, comme il avait mal dormi, il décide de quitter plus tôt son travail et de rentrer en plein milieu d'après-midi chez lui. Il arrive chez lui. Et il dit à sa mère, Ya Ummi, Ana Rahanam, Lahed et Dayegni. Alors, il dit à sa mère, Maman, je vais monter dormir et personne ne me dérange. Sa mère lui dit, Vas-y, Ya Oulidi, vas-y, mon fils, t'inquiète pas, personne ne va venir te déranger. Et il y va. Et là, Jasem dit que son frère, il a pour habitude, quand il veut dormir, que ce soit de nuit, ou que ce soit en après-midi, faire une sieste, il ne peut pas dormir où les volets ils sont ouverts. Non. L'azm, il est obligé, lui, en fait, il ne laisse aucun effluve comme ça de lumière passer dans sa chambre. Il ferme les volets. Vraiment, il se met vraiment dans le noir. Si bien que même pour aller de sa fenêtre, quand il ferme ses volets à son lit, il met le flash. Bon, ok, c'est ce qu'il fait. Il s'allonge, il se met bien. Au bout d'un, il commence à dormir. Mais il est entre encore conscient, mais il commence à partir quand même. Et il dit que, comme il avait un lit de place, il sent que derrière son dos, comme si une masse s'était allongée à côté de lui. Il sent un parfum qu'il n'a jamais senti, mais qui sent bon. Et ça se voit que c'est un parfum maligné, un parfum de femme. Et il entend.
quelqu'un respirer derrière lui. Lui, il est allongé comme ça, sur le côté, et il y a quelqu'un qui respire. Et il sent l'air chaud. Et il a peur. Et il se lève. Et il allume late la lumière. Et il regarde. Mais, voilà, j'ai. Il voit rien. Ok, ma Aline. D'accord. Il dit peut-être, j'imagine. J'ai imaginé. C'est pas grave. Il reva. Il repart se coucher. Il éteint la lumière. Et dèche. Dans son lit. Il rentre dans son lit. Et encore. Il s'endort. Prêt à s'endormir, pardon. Et il entend encore. Et là encore, il se lève. Et il a peur. Il allume la lumière. Et il va et direct, il l'ouvre. Comme on était en plein après-midi. Le volet, la fenêtre. Et commence à s'aimer. Bismillah, bismillah. Ishhad, choufi. Qu'est-ce qu'il y a, bismillah? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Il avait peur, il était perdu. Bon. Il décide de ne pas dormir, de prendre les clés de sa voiture et d'aller faire un tour. Et dans sa voiture, il repense. C'est quoi? Est-ce que j'ai rêvé? C'est bizarre. C'était réel. Le parfum, je l'ai encore là. Un bon parfum. La respiration, Mazel Boudni. La respiration, je l'entends encore comme si elle est collée à mon oreille. C'est bizarre. Ok. Et il fait son tour. Et il rentre chez lui. Il dit rien. Il fait sa douche. Et il s'endort. Ouais, il, par rapport à Jassim, il n'était pas trop pieux. Alors que Jassim, si, il était bien pieux. Mais Wa'il, non. Donc, bon, cette nuit-là, il dort. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des cappuccinos et cappuccinettes qui va rêver encore cette femme qu'il voit depuis maintenant quelques jours dans ses rêves. Et qui va lui parler. Et qui va lui dire, Ya Wa'il, Anna Nikun Jalsa Jambuk. C'est moi qui étais à tes côtés. Ou Anna Ismi Nariya. Et moi je m'appelle Nariya. Bismillah. Et je t'aime. Et j'étais contente d'être allongée à côté de toi. Mais quand tu allumes la lumière, eh ben je disparais. Et si tu veux que je revienne te voir, eh ben, il faudra que tu n'allumes pas la lumière et aussi, ou bien, pardon, tu laisses une lumière, mais rive, tu laisses vraiment un tout petit peu de lumière, vraiment un peu. Comme ça, je vais venir voir mon chéri, Ashouf Habibi, Hayati, mon chéri, ma vie, Akunouyak, je serai avec toi. Et là, il se lève. Et en même temps, c'est l'Aden d'El Fajr, le Aden de la prière de l'aube. Bon, il se lève. Il se rendort. Il se lève encore, pardon. Il va au travail. Toute la journée au travail, il n'est pas bien, il est perturbé. Pourquoi? Il est pressé de rentrer chez lui pour pouvoir dormir. Et faire ce qu'elle lui a demandé. Cette femme vraiment belle pour lui, qu'il aime, qu'il l'appelle déjà son chéri, sa vie, Habibi, Hayati, Amout Alek, prête à tout pour lui. Ok. Il rentre chez lui. Il fait ce qu'elle a dit, les lumières et tout ça. Et il s'allonge. Et on avance dans la nuit. On avance, et toujours rien. Jusqu'à un moment, il sent sur son bras, il a allongé, une main qui commence à glisser comme ça, sur son bras. Et là, quand même, il a peur. Et il va pour se lever, il s'assoit sur le bord de son lit, il se met en appui comme ça pour se lever, pour aller allumer la lumière, et la main l'arrête. Elle lui dit,
لا تخاف انا نورية حبيبتك اللي تبيك. C'est moi Nouria, ta chérie qui te veut. C'est toi qui m'as appelé. Non, allume pas, je t'aime. Non. Et lui? Ouais, il était en train de trembler de la tête aux pieds, trembler. Il n'osait même pas se retourner pour voir cette voix qui lui parlait. Et il n'a pas supporté. Et il s'est levé et il allume la lumière. Et il regarde dans sa chambre. Il ne voyait personne. Ça avait disparu. Et là, c'est trop pour lui. C'est trop. Donc, il décide de prendre les clés de sa voiture et d'écarpir chez des potes à lui. Comme je vous avais dit dans l'histoire du chat, il y a beaucoup ça là. Diwaniyat, quand ils se retrouvent entre amis et tout, et ils restent jusqu'à des heures très tard, tardives dans la nuit. Mais il va là-bas. Et il dit pas à ses potes pourquoi il vient et tout. Il dit que voilà, je viens me poser avec vous, j'ai un peu de mal à dormir et tout ça. Et voilà, de toute façon, demain, week-end, c'est le week-end, donc je reste avec vous. Et voilà, ses potes, ils n'ont pas pu chercher à comprendre. Le matin, Jassim, quand il se lève, pour lui, son frère, il est là. Donc, quand il va pour le réveiller, pour qu'il prenne le petit déjeuner, il trouve son lit vide. Il descend, il demande à ses parents et à ses sœurs. Ils ont deux autres petites sœurs. Où est-il? Donc, personne ne sait. Donc, Jassim, il prend son téléphone, il appelle Wa'il. Ouais, il lui dit, attends, je m'éloigne un peu pour te parler. Il lui dit, d'accord, et il lui dit, toi aussi, éloigne-toi parce que je dois te dire un truc important. Donc, Jassim, il s'éloigne. Il lui dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mais hier, je t'ai laissé, t'étais à la maison, et là, je viens te chercher pour le petit déjeuner, t'es pas dans ton lit, je demande, et personne ne sait où t'es. Et là, ouais, il lui dit, yahoui, l'eau t'es riche chez nous, ça, oui, aïe, m'sbellé. Mon frère, si tu savais ce qui m'est arrivé hier la nuit, une dinguerie. Donc Jassim, il lui dit, ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a un de tes potes qui a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et là, il a commencé à paniquer. Il lui dit, non, salamat. Non, alhamdoulilah, tout va bien. C'est pas quelque chose qui est arrivé à mes potes et tout, c'est quelque chose qui m'est arrivé à moi. Il lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es parti à l'hôpital, tu te sentais mal, tu nous as pas dit? Il lui dit, non, laisse-moi parler. Il lui dit, vas-y, parle. Il lui dit, hier, la nuit, la dernière fois, j'avais rêvé avant-hier qu'elle m'a dit que si je voulais la voir en vrai et qu'elle vienne et tout ça, il fallait que j'éteigne les lumières et tout, ou laisser vraiment une petite lumière vraiment très très infime. Et le problème, c'est qu'elle est vraiment venue. Mais j'ai eu peur, j'ai pas assumé. Et je pouvais plus rester dans la maison, donc je suis partie d'Ewania chez les amis et là, je suis là-bas. Et là, Jassim, il l'insulte, il le traite, il lui dit, mais t'es malade, tu nous as ramené un grand problème, mais pourquoi tu nous fais ça? Parce que le problème, c'est qu'ils peuvent t'attaquer toi, elle peut nous attaquer, nous, pourquoi tu nous fais ça? Il y a Roux, mon frère, pourquoi tu fais des trucs comme ça et tout? Il lui dit, mais moi, je savais pas que genre ça allait prendre cette ampleur. Mais après, il lui dit, tu sais, avec le recul quand même, et ben, je suis en train de me dire que peut-être je suis vraiment trop à fond dans mes rêves et dans tout ça que je m'imagine, alors que à chaque fois que j'allume la lumière, il n'y a rien. Donc je me dis peut-être que c'est mon imagination ou bien voilà mes sentiments qui prennent le dessus et je m'imagine tout ça. Son frère lui dit, franchement, je sais pas, mais en tout cas, j'espère juste que c'est vraiment ton imagination parce que on va pas assumer. Son frère lui dit, la trafe, yahoui, anarial, n'aie pas peur mon frère, pour moi je suis un homme. Il lui dit, c'est quoi, je vais rester chez mes amis 2-3 jours et après je rentre. Son frère lui dit, d'accord. Bon, il reste 2 jours là-bas où il est et après il rentre chez lui. Et donc là, Jassim, c'est lui qui va prendre une grande place dans le récit. Pourquoi? Parce qu'à partir de cet instant, ouais, il, sa vie, elle va faire un 360 degrés. Donc, Jassim, il nous dit que son frère, il commençait à ne plus aller à son travail. Et il restait toujours enfermé dans sa chambre, entre 4 murs. Un jour, il y a leur mère qui est partie voir Jassim et qui lui a dit, « Ya Oulidi, madri khouk, ich fais ?»
والله متغير وايد يا جاسم. Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'il a ton frère, mais je le trouve vraiment trop changé. Il lui dit, mais comment ça a changé? Et là, sa maman lui dit, je le trouve changé parce que, en fait, quand je passe à côté de sa chambre, je l'entends discuter. Mais sauf qu'il discute vraiment, ouidhak, il rigole. Mais quand je colle mon oreille à sa porte, eh ben, j'entends pas une autre personne lui parler. Et je m'inquiète pour lui, je m'inquiète vraiment. Donc, là, Jassim, il lui a dit, mais non, tu sais très bien que ton fils, il adore faire de la lecture et faire des jeux de rôle. C'est peut-être qu'il fait des dialogues et tout ça et tout ça. Sa mère, elle lui a dit, je sais pas, mais s'il te plaît, va voir ton frère. Il dit, ok. Donc, Jassim, il dit qu'il va voir son frère parce que aussi, Jassim, il faut savoir, il avait sa vie, il avait son travail et tout. Et il n'était pas trop, en fait, au courant de ce qui était en train d'arriver dans la vie de son frère. Pour lui, son frère, il est là et tout. Et puis voilà, quoi. Donc là, il va le voir, il prend le temps d'aller le voir. Il rentre dans sa chambre. Il voit son frère, il est assis sur son lit, bizarre, qui a les yeux dans le vide. Et puis, il lui dit... يا وائل ايش فيك ايش فيك يا اخوي وائل qu'est-ce que ça qu'est-ce qui t'arrive mon frère t'es bizarre t'es explique-nous. Donc là il se met à rigoler, Wail, à rigoler un rire hystérique, et il commençait à s'énerver déjà Jassim intérieurement. Il lui a dit laisse-moi, je suis bien, ne gâche pas mon mood. Va-t'en, va-t'en, j'attends quelqu'un d'important. Il lui dit, t'attends qui? Qui doit venir? J'attends ma femme, j'attends celle qui m'aime, j'attends celle qui me redonne le sourire. Tu vois pas que là je suis pas bien parce qu'elle est pas là. Mais il dit, mais c'est qui celle-là? Il lui dit, c'est Nerie. Et là, Jassim il est choqué parce qu'il se rappelle que Nerie, c'est la démon, c'est la jnoun, bismillah. Donc là, il sort de la chambre de son frère. Il était en panique. Il n'était pas bien. Après, Jassim lui dit aussi, nous, on dîne toujours en famille. On prend toujours tous nos repas en famille. Et là, lui, il n'était jamais à la safra. Il n'était jamais à table avec eux. Il n'était jamais à table avec eux, leurs frères. C'est bien que Jassim ait commencé à se demander, mais comment il mange? Comment il vit? Mais c'est trop bizarre. Il décide d'aller voir son frère. Il rentre sans frapper à la porte et tout. Il rentre, il ouvre la porte. Yalla Wa'il ta'al, ta'ashem ma'ana. Viens, descends avec nous, Wa'il, dîner avec nous. Là, Wa'il, il fait non. Il dit non. Il dit lèche. Pourquoi? Il fait comme ça, Wa'il. Genre, regarde là-bas. Et il se retourne. Jassim, et il voit que sur le bureau de son frère, il y avait de la nourriture. Et il lui dit, bah, c'est qui t'a préparé à manger? T'as demandé à ce qu'on te prépare à manger? Et là, il rigole, ouais. Il lui dit, non, Marty, c'est ma femme qui m'a fait à manger. Et là, il était choqué. En fait, la jnoun, Nerie, elle lui a ramené même à manger. Et là, Jassim, il dit, ouais, genre, en fait, ils vivaient vraiment comme un couple, Adoubillah, vraiment un couple. Bon, là, Jassim, pour lui, c'est trop. Il voit que son frère, vraiment, ça y est, il appartient plus, on dirait, à ce monde. Il appartient au monde occulte. Et surtout, il ne s'appartient plus à lui-même. Il appartient, Malkata, ça veut dire celle qui est sa... Maintenant qu'il le domine et tout. Il est sous l'emprise de Nerie. Et là, Jassim, il est en panique, il ne sait pas quoi faire. Ses parents, ils sont des personnes âgées. Il a deux petites sœurs, une qui a 18 ans, une qui a 16 ans. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ils ne vont rien faire. Et il a son grand frère. Par contre, son grand frère, il n'habitait plus avec eux, comme il était marié et tout. Donc, il avait sa propre vie. Mais il décide quand même, étant le grand,
de l'appeler pour lui dire voilà ce qui est en train d'arriver à Wa'il, il faut qu'on trouve une solution parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Donc il a appelé son grand frère, il l'a écouté attentivement pour lui dire par la suite, mais non, toi tu t'inquiètes pour rien, vraiment, là il est juste en train de vivre une période difficile, t'inquiète pas, tu sais, lui il a toujours aimé faire l'intéressant et tout ça, tu dramatises. Et puis il a raccroché. Mais sauf que Jassim, vous et moi, on sait qu'il n'est pas en train de dramatiser. On sait que Wa'il, il vit quelque chose de vraiment flippant. Donc Jassim, il décide de faire quoi? Comme je vous ai dit un peu plus tôt dans l'histoire, lui par rapport à Wa'il, il est pieux, il est régulier dans ses prières, dans ses invocations. Il se lève tous les matins pour faire la prière de l'aube à la mosquée. Il est vraiment bien. Mais il n'est pas genre, il ne va pas rigoler, il ne va pas vivre. Non, il vit sa vie normalement, tout en étant bien aussi religieusement parlant. Donc, en fait, il a beaucoup de connaissances et il a un ami qui est carrément, lui, un shir, c'est-à-dire un imam, qui est comme un savant au niveau de la religion. Donc, il s'y connaît bien. Et ouais, Jassim, pardon, il décide d'aller le voir. Parce que pour lui, c'est la personne en fait qui va l'aider à réveiller son frère, à récupérer son frère de l'emprise de cette diablesse, de cette démon, et la faire partir et récupérer son frère, quoi. Donc, ce qu'il va décider de faire, Jassim, c'est d'aller voir l'imam. Il décide de l'appeler. Tu es où ? Je suis au café Intel. Ok, ne bouge pas, j'arrive parce que je dois te parler d'une situation grave qui est en train de nous arriver et tout ça. Mais je t'expliquerai mieux quand on sera en face, en face to face. Son ami l'imam, il lui dit, il n'y a pas de problème, je t'attends. Antadrak. Sauf que il faut savoir maintenant, en fait, Wa'il, il ne sortait plus de sa maison. Là, ça y est, il vivait juste que dans sa chambre. Et il sortait, mais c'était rare que pour aller dans la salle de bain, faire ce qu'il avait à faire. Et directement, il retourne dans sa chambre. Et là, Jassim, avant de partir, en fait, il a surveillé son frère. Parce qu'en fait, il avait besoin, en fait, de prendre le livre de sa chambre. Donc, c'est ce qu'il va faire. Et alhamdoulilah, Wa'il, à ce moment-là, tout en restant caché, Jassim, comme ça, derrière les murs, là, dans le couloir, il surveille son frère, il l'a vu rentrer dans la salle de bain et s'enfermer dedans. Donc, il fonce. Jassim, il rentre dans la chambre à son frère, il cherche partout. Rien à faire, il ne trouve pas le livre, il est en panique que son frère, il rentre dans la chambre et il le surprenne. Donc il cherche, il dit « Ah Rabbi, Dieu aide-moi, il est où le livre ?» Et là comme ça, ses yeux, ils tombent sur l'armoire, le haut de l'armoire de Wa'il. Et il voit comme ça le livre un peu, il dépasse. Donc ce qu'il fait, « Insahib al-kitab », il prend le livre et il sort vite de la chambre. Il se dirige pour sortir vite de la chambre, mais sauf que quand il va réouvrir la porte de la chambre, il va tomber, non pas sur Wa'il, mais sur un chat noir qui est moche ou qui fait peur. Et surtout, le chat, à part être moche et faire peur, il le regarde fixement lui dans les yeux. Et là, Jassim, il sent dans tout son corps ses poils qui se dressent et il regarde le chat et il ne comprend pas parce qu'ils n'ont pas d'animaux domestiques. Donc il commence à crier, mais les khalalbab maftouh, qui a laissé la porte de la maison ouverte, regardez, il y a un chat, nanani, nanana. Et le chat il bougeait pas et il le regardait méchamment. Et après le chat, il s'est retourné, il a pris les escaliers et il a couru. Donc il va dans sa chambre, il ouvre l'armoire, il a une armoire à clé. Il dépose le livre là-bas. Il referme la porte de l'armoire à clé. Il sort de sa chambre. Il ferme la porte de sa chambre à clé. Et il s'en va chez son ami l'imam.
qu'il arrive au café. Ça va, ouais, ça va, écoute. Il est soufflé, il est pas bien. Lazem, je suis obligée de te dire un truc et tout. Mais il avait honte. Parce qu'il sait qu'en fait, son frère, ce qu'il a fait, c'est une grosse connerie. Une grosse dinguerie. Que voilà, il avait honte. Il lui dit, écoute, je vais te dire quelque chose, mais s'il te plaît, ne me juge pas. Ne me juge pas et ne nous juge pas. Mais voilà. Il lui dit, écoute, vu comment tu commences à parler, ça annonce quelque chose qui va pas me plaire, mais tu resteras toujours et tu... Mon ami, quoi. Entalak, allez, parle. Et il lui dit, écoute, voilà, mon frère, il avait besoin, j'ai fait belle adichem. Ou tedrin, khoy, hiboy, del kira, ou le kitab. Tu sais, mon frère, il avait fait un voyage dans les pays d'El Shem. Du Shem, et tu sais qu'il aime beaucoup les livres et qu'il aime beaucoup la lecture. Ou Desh Mekteba, et il est rentré dans une librairie. Ou j'tera kitab, wallah, madri kifa gollech. Il a acheté un livre, mais je sais même pas comment dire. Kitab shaitani, wallah. Il lui dit un livre sur la chétanerie. Il lui dit comment ça, sur la chétanerie. Il lui dit sur comment faire apparaître des démons. Sur comment faire apparaître des junounes. Voilà. Et en fait, ce qu'il a fait, il a fait apparaître une femme du pays des démons. Maram min al-alam al-jinn. Ya'oudou billah. Yusamma Nouria. Qui s'appelle Nouria. Et là, l'imam, il est devenu blanc, miskin. Et là, il s'est énervé un peu. Mais ton frère, il est fou. Ehna. Et ton frère, il est fou. Eh, nous musulmans, nous on est des musulmans. Voilà, enta mouch muslim. Même si t'es pas musulman, c'est pas des choses à faire. On joue pas avec eux, on joue pas dans ce domaine-là, dans ce monde occulte-là. La seule solution qu'on va faire, c'est que il faut vraiment que tu me ramènes ce livre. Tu te débrouilles, mais tu me ramènes ce livre pour que je le détruise. Et moi, je vais venir soigner ton frère. Mais par rapport à ce que tu m'as dit et tout ça, ton frère il est vraiment mal et ça, celle qui l'a en fait, celle qui le domine, eh ben elle est pas bonne. Et en fait moi je serais pas trop fort de venir tout seul, donc il faut que je vois une autre personne qui va venir m'accompagner, comme ça à deux on sera plus fort. Ou Allah ma'ana, et notre plus grande puissance de toute façon ce sera Dieu à nos côtés. Et il lui dit ok Jassim. Et il remonte dans sa voiture et rentre chez lui. Il rentre chez lui, il réouvre la porte de sa chambre à clé et il va directement vers l'armoire parce que sur tout le trajet, il voulait en fait s'assurer que le livre était bien là. Et donc, il ouvre l'armoire à clé et il voit que le livre, il a disparu. Et là, quand il se retourne, il voit dans l'ouverture de la porte Wa'il waqaf, Wa'il debout, qui le regarde mal, et sa tête elle avait complètement changé, il faisait peur. Et là Jassim il a paniqué, il a eu un mouvement de recul dans sa chambre et il a commencé à dire bismillah, mais il a dit il ne voulait pas montrer à Wa'il ou celui qui était dans Wa'il ou celle qui est dans Wa'il qu'il avait peur. Donc et c'est quand même, ce jet, c'est quand même, voilà, il est resté quand même, comment dirais-je, il a sorti les pecs et il a montré qu'il n'avait pas peur. Et il lui a dit, pourquoi tu es en train de me regarder comme ça? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, ouais, il est, le regard est fait. T'es en train de te foutre. Excusez-moi du terme, de ma gueule, ou tu te fous de ta gueule. Et là, Jassim, il est choqué. Ouais, il, par rapport à lui, c'est petit, il ne lui a jamais manqué de respect. Ouais, il, c'était un agneau, il était doux, il parle jamais mal. Il est gentil, c'est un amour. Et là, il lui parle comme ça. Donc là, Jassim, il le regarde et lui dit, tu parles à qui, là, t'es sérieux? Il dit, oui, je suis sérieux, je suis en train de te parler à toi. Il lui dit, ouais, de toute façon, c'est pas ça le problème, le livre, il est où? D'où déjà t'as pu rentrer dans ma chambre? Et là, ouais, il rigole, il dit, moi, je suis pas rentré dans ta chambre. Il lui dit, arrête, le livre, il était là, dans l'armoire.
Un garçon encore ouvert, je l'avais caché, j'avais la clé sur moi de l'armoire, j'avais fermé un clé. Et là, je viens et je trouve pas le livre. Et là, ouais, il rigole, il dit. Et le livre, c'est pas moi qui l'ai pris. Et c'est même pas moi qui suis rentrée dans ta chambre. Il lui dit, ah ouais, et c'est qui? Et il lui dit, c'est Naria qui est rentrée dans la chambre. Et là, Jassim, il était choqué. Il dit quoi? Et là, ouais, il dit, ouais, je suis rentrée dans la chambre. Et aussi, si tu pouvais éviter de parler de moi avec tes amis, parce que si tu cherches à me détruire, sache que tu vas te détruire et que je vais tous vous détruire. Et là, ouais, il le regarde genre sérieux. Et là, Jassim, il est choqué. Parce que si tu cherches à nous détruire, sache que je vais te détruire et tous vous détruire. Il sait que son frère, il parle pas comme ça, il peut pas. Donc il sait en fait inconsciemment que là, le fait que le visage de son frère il soit ainsi déformé, le fait de comment il parlait mal, que la défiance et tout ça, il sait qu'en fait dedans là c'est Neria qui parle par le biais du corps de Wa'il. Et elle lui dit, et je t'ai prévenu, ne joue pas avec moi. La talabouyaï. Ismi, elle lui dit, ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Mon prénom c'est Naria. Mon prénom c'est Naria, ça veut dire le feu. Ne joue pas avec le feu. Ne joue pas avec le feu. Et il voit Wa'il, donc, qui refait demi-tour, qui va dans sa chambre. Donc là, Jassim, il avance, il regarde comme ça son frère. Et son frère, il ne se retourne même pas. Il rentre dans la chambre, il claque la porte. Et là, Jassim, il dit ce qui l'a choqué, c'est comment il a entendu son frère, ou la chose qui était dans son frère, comment elle a éclaté de rire, comment il rigolait. Ça faisait trop peur. Ça faisait trop peur. Donc là, Jassim, il dit, il fait ses prières, il fait ce qu'il a à faire, il se met au lit, il se couche. Et il dit, cette nuit-là, il a mal dormi. Il a fait un cauchemar. Et il dit, dans son cauchemar, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un chat noir. Et il dit, pour lui, il est sûr que c'est le chat noir qu'il a vu. Vous vous rappelez quand il est en train de voler le livre de la chambre de son frère. Il a dit, il revoit ce chat-là. Et ce chat-là, au début, il était tout petit. Et après, plus ça allait, plus il était en train de grossir et grandir. Il faisait peur, bêcher, moche, flippant. Il faisait des sons bizarres. Et le chat, il l'a attrapé ici. Il a mis sa main ici et il a appuyé. Et Jassim, il était au sol en train d'essayer de se battre avec ce chat. Et là, il se réveille en sursaut, miskin Jassim. Et quand il se réveille, il en suit. Il est en sueur. Et il a une douleur ici à la poitrine, comme si vraiment il y avait quelque chose en fait qui était là pendant qu'il dormait, qui est en train de lui appuyer. Et il regarde comme ça son téléphone pour voir l'heure. Il voit que le Fajr, la prière de l'aube, c'est dans quelques minutes. Et il entend par la fenêtre miaou, miaou, un chat qui miaule. Alors là, ça y est, Jassim, son cœur est. Il passe la charmade. Bon, il dit à Adoubillah, il commence à mettre le Coran à fond dans son téléphone, il écoute. Et puis ça y est, sa peur a commencé à s'extérioriser, à partir. Il se lève, il fait ses ablutions, et il fait sa prière. Et comme il n'a pas pu se recoucher. Bon, cette journée-là, il n'a pas, s'il ne dit pas à son pote imam le rêve qu'il a fait et tout ça. Par contre, il l'appelle pour lui dire que voilà, son frère, c'est en train de s'aggraver. Là, il voit vraiment que son frère, voilà, il est sur un toboggan glissant inarrêtable. Il faut vraiment qu'il vienne l'aider. Il lui dit, t'inquiète pas, je suis encore en pleine recherche d'un imam qui va me seconder parce que tout seul, voilà, je ne pourrais pas. Et il lui dit, d'accord. Bon, alors... Là, ce qui va se passer, c'est qu'une nuit, tout le monde dort. La maison et le houdou, le calme plein dans cette maison. Et on est avancé dans la nuit, 2h30, 3h, vraiment la nuit. Et là,
Jasmine l'entend, Wail, qui crie. Et il se lève, Jasmine, il court en direction de la chambre de son frère. Il essaie d'ouvrir, mais il n'arrive pas, il frappe. Ouvre, et il entend son... Ouvre la porte. Et il entend son frère à l'intérieur qui crie, qui pleure, qui est pas bien. Et qui dit, laissez-moi tranquille. Et là, Jasim, il arrive à ouvrir la porte, il rentre et il trouve son frère par terre, comme ça, prostré, en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Il tremblait. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, ils sont là, ils veulent pas me laisser tranquille. Ils ont des têtes, ils me font peur. Regarde, ils sont là. Et là, Jasim lui, miskiné, regarde, il voit rien. Il n'y a que son frère qui voit les choses. Donc là, il prend son téléphone, il met le Coran, il récite. Et plus ça va, plus son frère commence à être calme et tout ça. Et là, Jasim lui dit, t'as vu, Yawael, c'est toi qui as couru à ta perte. Pourquoi t'as joué avec ce livre? Pourquoi t'as joué avec ce livre? Et tout ça. Et il est revenu à un moment, on va dire, ouais, il a lui-même. Et il dit, je sais pas. Et il a commencé à émettre des regrets. Et il dit à son frère, aide-moi. Et il lui a dit, t'inquiète pas, je vais t'aider. Jasim Miskin, il est resté, il a dormi avec son frère parce que son frère ne voulait pas du tout que Jasim il quitte sa chambre, quoi. Donc, Miskin, il a fait une nuit blanche, mais son frère, lui, ouais, Miskin, il dormait, tu vois. Donc, après, ce qui va se passer, c'est que le matin, il appelle Jasim, il appelle son pote, il lui dit, écoute, là, il n'y a plus le temps. Mon frère, il n'est pas bien. Il faut vraiment que tu viennes lire sur lui. Il dit, ok, t'inquiète, c'est bon, je vais venir. Là, ouais, il était redevenu, on va dire, Neria. Il était redevenu bizarre, méchant, des rires étranges et tout ça, des regards bizarres, la tête changeante. Et Jasim dit, t'inquiète, Wail, t'inquiète, écoute-moi bien, je te jure, aujourd'hui, on va te faire une bonne ruqya. Tu vas guérir, tu vas être bien. Et Wail, il regarde, ou la chose qui est dans Wail, il fait... et il rigole. Après, Jasim dit, vas-y, rigole. Donc là, lui-même, il arrive, il appelle Jasim. Ouais, vas-y, je suis là. Jasim, il dit, attends, j'arrive. Il descend, il va, il leur ouvre la porte. Il avait trouvé un imam. Ils sont deux, ils montent. Et là, dès qu'ils montent... ouais, il commence à hurler alors qu'ils sont même pas rentrés dans la chambre. Il dit, non, laissez-moi tranquille, non, ne me touchez pas, ne m'approchez pas. Il commence à crier comme ça, et là, il rentre dans la chambre, il commence à réciter, à lire. Et ils le maintiennent avec Jasim, jusqu'à même si bien ces cris étaient tellement forts que ça s'entendait tellement dans tout son quartier, les parents, ils ont eu peur. Ils sont montés, ils sont âgés. Ils ont dit à Jasim, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire à ton frère? Lâchez-le. Et là, Jasim, il prend ses parents, il sort de la chambre, il dit, papa, maman, écoutez, là, on est en train de faire pour son bien. On a remarqué qu'il avait ci, ça, ça. Et regardez de vous-même, votre fils, il est possédé. Il a quelque chose en lui et tout. On va le soigner. Je peux pas laisser mon frère comme ça courir à sa perte. Et là, les parents de ouais, ils l'éprouvent. Et de Jasim, ils vont se rendre compte que voilà, il est vraiment malade parce qu'il est regardé, après il rigolait, après il disait je vais tous vous tuer. Et après l'imam disait non, vous inquiétez pas, là, ça c'est le truc qui est en lui, genre qui parle et tout. Et après ils sont partis, les parents, et Jasim encore il maintient, il récite. Ils sont restés à réciter jusqu'à que Wail, il s'est évanoui, ça, il est KO, le mec il est tombé KO. Donc là, l'imam il dit, bon là il va être calme un certain moment, Inch'Allah ça va lui faire du bien, laisse-le se reposer. Il lui dit, ramène-moi un verre d'eau et tout. Il lui ramène un verre d'eau, il lit du Coran dessus, il lui dit, à chaque fois qu'il a soif, tu lui fais boire de cette eau-là. Et Inch'Allah ça va aller.
Bon, après, il part, tu vois. Les imams, ils repartent et lui, il reste un peu auprès de son frère. Et comme il a vu ça, il dormait. Et lui aussi, il avait pas bien dormi et tout. Il a dit, ouais, vas-y, je vais aller me coucher. Et il s'en va. Et il dormait encore dans la nuit. Là, ouais, et le pauvre, il va crier. Aïe, trekini, laisse-moi tranquille. Aïe, aïe, il crie. El hago alay, aidez-moi, venez m'aider. Donc là encore, Jassem Meskin, il se lève, il court en direction de la chambre de son frère. Et là, il y a sa petite sœur, celle de 18 ans, qui vient aussi. Et qui dit, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui arrive? Et tout, après, il lui dit, retourne dans ta chambre et tout, je veux pas que tu vois ça. Elle lui dit, non, mais vas-y, viens, on va essayer d'ouvrir la porte et tout, Meskin, voilà. Après, il lui dit, ouvre la porte. Et il ouvrait pas la porte, ouais, mais il l'entendait en train de crier. Et à un moment donné, ouais, il lui a dit, tout ça, c'est ta faute. Il y a Jassem, tout ça c'est de ta faute. Et Jassem, miskin, il essaie d'ouvrir la porte, rien. Et comme il était assez costaud, assez baraqué, Jassem, il décide de, voilà, défoncer la porte. Tac, tac. Et hop, il arrive à défoncer la porte, il rentre. Et là, les deux, ils s'arrêtent net. Jassem et sa petite sœur. Pourquoi? Parce qu'il voit. Ouais, il est un peu en lévitation, un peu. Et il est comme ça. Comme ça, et il crie aïe, 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 et il a du mal à respirer, il n'est pas bien. Il dit, Jassem, c'est comme si en fait il y avait quelque chose d'invisible que eux ils voyaient pas, en fait, qu'il l'avait tenu par la gorge et qu'il le soulevait. C'est pour ça qu'il était, ses pieds étaient décollés du sol, et il est en train de se débattre et tout ça. Et après, ça l'a lâché d'un seul coup, parce que Jassem et sa sœur, ils ont commencé à réciter du Coran. Sa petite sœur, malgré qu'elle avait peur, elle était en train de pleurer, hein, mais elle récitait les quelques versets qu'elle connaissait. Ouais, il paraît. Après, il essaie d'aller du téléphone à mettre le Coran à fond et tout. Et jusqu'à Pâques, il tombe au sol. Et quand il tombe au sol, Jassem, il le prend. Il le met dans son lit et voit, il est tout marqué, transpiration, des bleus, des rougeurs, il n'est pas bien. Au niveau des bras, comme si vraiment il y avait quelque chose qui l'avait tenu. Et là, dans son cou, il n'est pas bien. Mais Jassem remarque aussi qu'il a des tarasem, et il commence à avoir comme des écritures comme ça sur son bras, en écriture bleue. La couleur des écrits était bleue, mais il comprenait pas c'était quoi cette langue, c'était quoi ces écrits, et c'était tout ça, c'était de son côté gauche. Et il comprenait pas. Et là, il dit, écoute, j'en ai marre, donne mon téléphone. Il prend son téléphone, il appelle son grand frère, il lui dit, tout de suite tu viens, j'en ai rien à faire, tout de suite tu viens, tu vas voir ton frère comment il est. Les choses que toi, oui, c'est son imagination, c'est notre imaginaire qui nous joue des tours et tout ça. Vas-y, viens voir c'est quoi l'imaginaire. Et là, son frère, il lui dit, ok, attends, j'arrive. Il était zéref parce que c'était la nuit. Et tu vois, genre comment son frère, il lui avait parlé aussi. Lui qui était le plus grand, il a Jassem, comme il avait parlé à son grand frère, il n'avait pas accepté, genre il était vénère. Vas-y, j'arrive. Et là, il arrive. Et là, il est choqué comment il voit son frère. Dans quel état il est? Amaigri, d'un livide blanc, on dirait presque le mec, il a plus de sang dans le corps, pas bien. Et il était choqué. Et là, Jassem dit, tu vois, c'est ça que ton frère il a. Moi, quand je te racontais, tu me croyais pas, tu crois vraiment que j'ai le temps, moi, d'inventer des conneries comme ça et tout ça. Il est en train de souffrir, il est pas bien, c'est toi le grand, c'est toi qui dois nous aider. Nos parents sont vieux, ils peuvent pas. J'ai fait tout ce que je savais faire. J'ai vu mes amis. Mon ami imam, il a ramené un autre imam. On a lu sur lui, on a tout fait, mais la chose qui est dans lui, elle est trop forte et tout. Et là, son frère, il était choqué, il n'était pas bien, il a commencé à pleurer. Il dit, franchement, qu'est-ce qu'on va faire? Et Jassem, il dit, tu fous de ma gueule ou quoi? Moi, j'ai plus de solution, c'est toi là qui est le grand stock, qui doit trouver une solution. Donc, son grand frère, elle lui dit, tu sais quoi? Je connais quelqu'un qui connaît des adresses de bons imams, les imams les plus réputés. Je vais prendre toutes les adresses, on va le ramener là-bas. Et celui chez qui on tombera, bah c'est Inch'Allah, il le soignera. Et notre frère, il va revenir à lui, à la vie. Donc là, le grand frère, il a trouvé les adresses des imams réputés, forts, que les gens lui ont donné.
Mais sauf que, malheureusement, à chaque fois qu'ils partaient, ils trouvaient des queues énormes. Et à chaque fois, ils essayaient de négocier avec les gens. Sauf que les gens, vous en doutez bien que s'ils étaient là-bas dans la queue, c'est qu'eux aussi, ils sont malades et qu'ils ont besoin d'être soignés, tout comme Wa'il. Donc, ils ont essayé de négocier. Mais les gens, ils disaient, « Hatta ana marid, hatta ahna adna marid. » Moi aussi, je suis malade. Ou bien, nous aussi, on a un malade. Et voilà, ils faisaient des queues aussi pendant longtemps. Et après, c'était le moment où, tu vois, l'imam était fatigué. Et hop, il fermait. Il ne pouvait plus soigner. Parce que ça fatigue de faire des séances de ruqya et tout ça et tout ça. Donc à chaque fois, ben, il partait, il revenait chez eux bredouille sans avoir rien fait. Et plus, en fait, ces jours-là, ils y allaient, il n'y avait rien. Et plus, ouais, il, en fait, il continuait sa chute, il continuait sa chute, il continuait sa chute. Et encore une nuit, même scénario, les cris, Jassim qui court, qui défonce la porte, qui trouve son frère complètement à la ramasse, qui avait été tabassé, que ça se voit, voilà, qui n'était pas bien et tout. Et là, ouais, il encore, il revient un peu à lui-même et il pleure et il dit à son frère, écoute, tu sais qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que, voilà, comme je voulais plus d'elle et que c'est moi qui l'avais fait venir, elle n'acceptait pas en fait que je la redégage, que je la sorte de ma vie. Donc elle m'a dit qu'elle va partir. Et elle a dit, mais il est content, il dit pas, oh, c'est bien, c'est bien. Mais il dit, il faut que, ouais, il lui dit, faut que je t'avoue quelque chose. Il lui dit quoi? Il lui dit, tu sais, il y avait beaucoup de choses qu'elle m'a demandé de faire par rapport au livre. Donc lui, il a fait des autres choses à côté que Jassim, il ne nous a même pas dit parce que c'était des choses graves qu'il avait fait. Mais il a dit, il était tellement amoureux d'elle que tout ce qu'elle lui disait de faire, il faisait. Et donc, elle lui dit, donc là, il lui dit, Jassim, comment on va faire? Il lui dit, là, elle a dit que voilà, en fait, qu'elle va partir, mais sauf que moi, je vais être le premier qui va partir. Et puis là, Jassim, il regarde, il dit, comment ça, tu vas être le premier qui va partir? Tu vas partir où? Après, ouais, il dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de te faire un dessin? Et Jassim, il avait compris. En fait, elle est en train de lui dire que elle allait le tuer. Elle l'a menacé. Elle lui a promis, en fait, que voilà, elle n'allait pas le laisser vivre, qu'elle allait tuer Wa'il. Donc Jassim, le pauvre, il était choqué. Mais il dit à son frère, non, n'aie pas peur, t'inquiète pas, on va la combattre. Si elle va mourir et toi, tu vas continuer de vivre. Et ne t'inquiète pas et tout, place ta confiance en Dieu et place ta confiance en nous, t'inquiète pas, on est là et tout ça. Mais il voyait bien que dans les yeux de Wa'il, c'était le néant, c'était le désespoir. Elle avait plus d'espoir. Mais bon. Donc, ce qui va se passer, bah, c'est que à chaque fois, donc, comme je vous ai dit, qu'il allait voir les imams et tout ça, il n'y avait pas de place. Ils n'ont jamais pu atteindre un imam, voilà, fort pour leur frère. Et lui, sa santé devenait de plus en plus malade. Il n'arrivait pas à manger, malade, ni boire, rien, quoi. Et Jassim, là, il était fatigué, il ne savait plus quoi faire. Donc, ce qu'il décide de faire, il décide de prendre son frère et de le ramener à l'hôpital parce qu'il le voyait, voilà, qu'il mangeait plus, il était pas bien, trop malade, affaibli, amaigri, pas bien. Donc il dit, au moins, Jassim dans sa tête, si je ramène mon frère à l'hôpital, le sérum et tout ça qu'ils vont lui mettre, mon frère, il va un peu reprendre le courage, il va reprendre un peu des forces. Et comme ça, voilà, je serai mieux et lui aussi, il sera mieux. Et ça va l'aider. Donc ce qu'il fait, Jassim, c'est qu'il prend son frère et il le ramène à l'hôpital. Donc à l'hôpital, il ne lui explique pas trop, voilà, qu'est-ce qu'il a. Il a un peu honte parce qu'il sait que c'est son frère qui a fait cette connerie. Donc il leur dit, non, juste il n'est pas bien, il est déprimé, il est malade, etc. Et les médecins, ils voient vraiment que, waouh, cette personne, elle est vraiment pas bien. Donc directement, en fait, ils n'ont même pas cherché à comprendre, ils l'ont admis et il a été hospitalisé. Donc il reste quelques jours à l'hôpital et une nuit,
avant la prière de l'aube, où il va rêver. Et il va rêver de qui? Il va rêver de Nariya. Et il rêve Nariya qui était vraiment moche, qui était vraiment flippante, qui faisait peur. Sa voix, elle avait songé, ses yeux, sa gestuelle, comment elle était et tout. Et elle lui disait, t'as voulu me faire du mal. Et tu m'as fait du mal quand t'as ramené tes amis pour lire le Coran. Ça m'a brûlé, ça a brûlé aussi mes amis qui étaient là. Mais t'inquiète pas, je vais bien te faire regretter. Et toutes les larmes que j'ai versées, toute la douleur que j'ai ressentie, tu vas la ressentir plus vite que tu le crois. Et Miskin, il se lève. Et au moment où il se lève, son téléphone, il sonne. Quand son téléphone, il sonne, il regarde et c'est le numéro de l'hôpital où son frère, il est hospitalisé. Donc il décroche et là, l'infirmier qui est au bout de la ligne lui parle, lui dit, écoute, viens vite et tout, parce que ton frère là, il n'est pas bien et je pense qu'il va partir, donc venez. Donc là, il est choqué, Jasmine. Il prend même pas le temps de réveiller ni ses parents, ni ses sœurs, ni son frère. Il fonce directement en pyjama à l'hôpital. Il arrive aux urgences, il arrive dans le service où son frère il était. Et là, il voit tous les médecins qui étaient là-bas, les infirmiers et les infirmières. Bah, tout le monde, en fait, est pas bien, est livide. Et personne va vers lui. Sauf un infirmier qui va venir vers lui. Et il est choqué, l'infirmier, il a l'air en état de choc. Et là, Jasmine lui dit, il est où mon frère? Je veux voir mon frère, je veux voir mon frère. Et là, l'infirmier lui dit, Adamallah Ajak. Il lui dit, je te présente toutes mes condoléances. Et là, Jasmine, c'est comme si il a dit, tu lui avais mis 1 milliard de claques, il était choqué. Il lui dit, mais c'est pas possible. Mon frère, vous avez dit qu'il commençait à aller mieux et tout ça. Il dit, franchement, on y a cru. Mais cette nuit, et après l'infirmier dit, viens, il faut vraiment que je t'explique tout dans les détails. Donc, ils vont dans un endroit calme. Il rentre dans un bureau, il lui dit, écoute, moi, ça fait des années que je suis infirmier et j'ai jamais vu une mort comme celle de son frère. Et là, Jasmine, il lui dit, comment ça? Comment il est mort, mon frère? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui dit, écoute, tout le service, bah, il était calme. Hein. Les gens, ils dormaient et tout ça. Il n'y avait que les infirmiers bah, de nuit, nous. Et il dit, on a commencé à entendre des cris venir de la chambre de ton frère. Mais des cris énormes. Ton frère, il était en train de hurler à l'aide, en train de pleurer. Donc, il dit, quand on est rentré dans sa chambre, on essayait de le calmer. Et là, tous les appareils de médicaux, tout s'est mis à sonner en même temps, tout. Et là, on a décidé de ramener le défibrillateur pour voilà, parce que il commençait vraiment à partir pour faire un choc à son cœur. Et là, il dit que on a tous eu un mouvement de recul, les médecins et les infirmières et les infirmiers qui étaient présents dans la chambre en ce moment-là. Et là, Jasmine dit pourquoi. Il dit parce que ton frère, on a eu la sensation déjà d'un courant d'air vraiment bizarre dans la chambre alors que voilà, il fait un temps qui est chaud. Et il dit que ils ont eu l'impression comme si en fait il y a quelque chose qui a étranglé son frère. Parce que c'était pas possible comment en fait il est mort. Ils étaient choqués. Et ils ont dit, ouais, jusqu'à... Il y en a, ils n'ont pas supporté la scène. Ils sont sortis de la chambre d'hôpital, et de la chambre de ton frère. Et moi, il a dit, j'étais coincée, j'étais bloquée, j'arrivais pas à avancer. Et j'ai vu toute la scène, comment ton frère est mort. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose qui est en train de l'étrangler. Et j'ai commencé à réciter, à lire, et à lui dire, lui faire réciter, enfin, réciter pour lui la shahada et tout ça. Mais il a dit, il n'arrivait pas à avancer. Et là, Jasmine me dit, oh, ben, ok, d'accord, ben, je veux voir mon frère. Il dit, ok. Il le ramène. Et là, il y a son frère Wail qui est allongé, il y a le drap. Et là, l'infirmier dit, vraiment, tu vas être choqué.
et tout. Il lui dit, non, mais je veux voir mon frère, je veux voir mon frère. Et là, l'infirmier, il soulève comme ça le drap de sur le visage du corps de Wail. Et là, Jassim, il se recule en arrière et il glisse et il tombe. Il voit en fait le visage de son frère bleu, 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 bleu. Il se relève, il s'approche, il regarde. Vraiment, son frère, sa tête, elle était trop changée. Et en fait, il est mort les yeux ouverts. Il avait encore les yeux ouverts parce que ils étaient en panique en fait, les trucs. En fait, c'est comme s'ils ont jeté juste le drap, ils sont tous sortis de sa chambre, ils avaient peur. Ils avaient tous ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Et là, Jassim dit en s'approchant plus, il remarque des rougeurs sur le cou de son frère. Et l'infirmier le regarde et dit, ouais, t'as vu, c'est ce que je t'avais dit. Et là, où Jassim il parle, il dit, ouais, bah, je vais te dire, voilà mon frère, en fait, il n'était pas bien, je pense qu'il était possédé et tout ça, là, là. Et après, l'infirmier dit, ouais, mais là même, le plus con des cons, en fait, il aurait compris au vu de la scène qu'on a vécu cette nuit. Bref, donc ça y est, Wail, Allah yarhamah, paix à son âme, il est mort. Ça y est, il est mort. Donc après, ils ont fait des funérailles, il a été enterré, etc. etc. Et 3 jours après les funérailles, Jassim, le pauvre, bah, il n'était pas bien. Il adorait son frère et son frère, il était encore jeune et il allait à peine commencer voilà, sa vie. Il avait des rêves, il avait des projets et tout ça. Ses parents, ils avaient un peu de mal à accepter parce que voilà, ils sont vieux. Ils disaient que c'était eux qui devaient partir en premier et que nanana. Après, on me saquait déjà, t'avais trop mal au cœur pour eux. Et là, cette nuit-là, donc Jassim Miskin, il s'est endormi en pleurant, en pleurant, en pleurant. Et il rêve, cette nuit, il rêve de Naria, qui vient le voir et qui rigole et qui dit, tu vois, t'as voulu jouer, vous avez voulu jouer avec moi, et c'est moi qui ai gagné. J'ai pris ton frère, et maintenant je veux te prendre toi. Et elle était vraiment flippante avec sa voix et tout. Et il dit, Jassim, il s'est battu avec elle. Et il se lève. Et c'est encore juste avant la prière de l'aube. Donc là, il prend son téléphone. Il est en panique quand même. Il essaye d'appeler l'imam. Et l'imam, il répond pas. Donc quand il voit que l'imam... Pardon. Quand il voit que l'imam ne lui répond pas, il est dans sa panique tout seul et tout. Donc il prend voilà, son téléphone, il allume et il met du Coran jusqu'à l'heure de la prière de l'aube. Après, il va à la mosquée, il fait sa prière, il ressort dans sa voiture et il appelle l'imam. Et là, l'imam, il décroche. Bah oui, c'est l'imam, il se lève lui à l'aube. Et il parle avec lui, il dit voilà, j'ai fait ce rêve. Il lui dit, bon, t'inquiète pas, continue à bien te protéger, continue à être bien dans tes prières et tout ça. Il reste bien sur son impulsion et tout. Et il lui dit, lis bien tes mu'awidat ou ayatul kursi et de quelques sourates du verset de la vache. Et Inch'Allah, tu t'inquiètes pas, tu n'auras rien. Elle va rien te faire. Ou dis hamini et genre, crois-moi, t'inquiète pas. Bon, après, il rentre chez lui, Jassim, et l'imam lui a envoyé un SMS. Il lui a dit, par contre, Jassim, le livre, ce serait bien que tu le fasses sortir de chez toi. Donc, vas-y, va prendre le livre et après, tu me le ramènes. Et Jassim, il lui répond, oui, il n'y a pas de problème. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que Walid, depuis que son frère il est mort, il n'est jamais rentré dans sa chambre. Donc là, il va dans sa chambre, c'était dur pour lui voilà, de rentrer, tout en sachant que voilà, Wail, Miskin, Andrahmo, ne faisait plus partie de ce monde. Donc il rentre dans la chambre et tout ça, il avait le cœur lourd. Et il cherche le livre, il cherche, il ne trouve pas. Il a retourné la chambre. Bon, il a laissé, et là, les...
2 mois passent. Et il n'a pas trouvé le livre, quoi. À chaque fois, entre-temps, quand l'imam lui demandait, je sais pas, j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Donc, il n'a pas cherché à comprendre plus. Mais un jour, Jassem, il est assis dans sa chambre, comme ça. Et il voit, comme ça, sur son bureau, le livre. Alors qu'il est sûr que quelques instants avant, il n'y était pas. Donc là, il est en panique, il se lève de son lit. Il va pour aller au bureau et il revient sur ses pas. Il prend son téléphone, il appelle son pote, l'imam. Il lui dit, écoute, crois-le ou pas, le livre, il est là, devant mes yeux. Il est là. Et je te jure qu'il y a quelques minutes avant, il n'y était pas. Là, je suis pas bien. Qu'est-ce que je fais ? Et il récite en même temps, il récite. L'imam lui dit, écoute, bouge pas, j'arrive. Donc là, miskin, Jassem, il est debout, il récite. Le temps que l'imam, il arrive. Et le livre, il ne le quitte pas des yeux. Qu'est-ce qu'il fait ? L'imam, il l'appelle. Ouais, je suis en bas. Il lui dit, attends, j'arrive. Donc là, ouais, il sort de sa chambre, il descend les escaliers, il sort, il ouvre le portail. Il fait rentrer l'imam, ils remontent les deux pour aller dans la chambre de Jassem. Il arrive dans sa chambre, il dit voilà, franchement, je comprends pas et tout. J'étais assis, je me rends compte qu'en fait, il est sur le bureau. Et lui montre et. Il parle encore. Le livre, il a encore disparu. Et là, miskin, Jassem commence à se confondre. Je te jure, non, j'ai pas rêvé. Il était là et tout. Il pensait qu'en fait, l'imam, il allait mal le prendre ou pas le croire. Et l'imam lui dit, c'est bon, calme-toi, écoute, je te crois, il n'y a aucun problème. T'inquiète pas, je vais commencer à lire et tout ça. Donc là, l'imam commence à lire dans la maison, il lui dit, c'est quoi ? Je sens quelque chose, viens, je vais aussi lire dans la chambre de ton frère. Il lui dit ok, donc ils vont et ils lisent. Il lit dans la chambre du défunt, de Wail. Il lit. Et à un moment, Jassem lève la tête. Il va voir le livre où ? Là où il l'avait trouvé la première fois, au-dessus de l'armoire de Wail. Et il fait un imam avec ses yeux. Il est là, le livre, il est là. Et là, l'imam, il s'avance, il récite encore, il récite plus fort, pourquoi ? Avec vraiment la force, il récite, et il met sa main. Et il prend le livre, il récite, il fait descendre le livre, il le met dans sa main gauche. Et après, il avait déjà de l'eau où il y avait du Coran, et il récite, et il prend les gouttes, et ça se met comme ça, il rush à l'al-kitab. Il jette l'eau comme ça et tout ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? L'imam, il va arrêter de lire. Et quand il va arrêter de lire, il a encore le livre dans la main. Et il a dit, voilà, non, là, le livre, alhamdoulilah, on l'a. Moi, maintenant, je sais qu'est-ce que je dois faire du livre. Je vais le détruire. Je vais détruire ce sacrilège-là. Je vais le détruire. Et votre maison, normalement, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir à l'aise. Enta, toi, Khawatuk, tes soeurs, Waldek et tes parents, vous allez vous sentir bien. Et ouais, il aussi va être tranquille. Il dit ok, Jassem. Et Jassem, la nuit, il dort. Et il rêve, de Neria. Il rêve de Neria, mais cette fois, Laysat Neria qu'il avait l'habitude de voir. C'est plus Naria qu'il avait l'habitude de voir, lui, celle qui faisait peur, qui parlait mal, qui le frappait, qui l'insultait. Non. Là, il voit Naria, mais elle était devenue tout comme un peu petite, ou recroquevillée sur elle-même, plus de force, qui parle avec peine. Et elle lui dit first. Genre, t'as gagné.
je vais mourir. Bes rahamut, je vais mourir. Lakin, mais rahamut wa ana martaha, je vais mourir, mais apaisé. Et Jassim, dans le rêve, lui dit, lèche, pourquoi tu vas mourir apaisé? Qu'est-ce que tu as fait? À part faire du mal et à part nous avoir pris un être cher. Il lui dit, bah, tu as répondu toi-même à la question. Je vous ai pris quelqu'un. Je vous ai pris, Wa'il, j'ai été pris ton frère. L'être que tu aimais le plus et que lui t'adorait, je te l'ai pris. Maintenant, je peux mourir tranquille. Alors, j'ai mis Wa'il sous terre. Et toi, t'as été trop plus fort que Wa'il. Wa'il, lui, c'était un faible. Wa'il, c'était pas comme toi. Mais maintenant, je vais mourir. Et elle lui dit, si j'ai un conseil, vraiment, c'est que servez-vous de cette histoire. Ne jouez pas avec notre monde. Ne jouez pas avec nous parce que vous n'êtes pas à notre... Vous ne pouvez pas genre nous combattre et tout. Vous n'êtes pas à notre hauteur. Et là, Jassim, il lui a répondu, il lui a dit, on vous a combattu et on est mieux que vous. Et nous serons toujours les gagnants parce que on a dans notre cœur Dieu et comme ça on va vous détruire. Et il dit qu'après il se lève et voilà. Comme si en fait elle avait disparu. Et là il se lève et il appelle l'imam, son ami, et il lui dit voilà, j'ai rêvé encore en Aria, mais cette fois elle était petite et tout, et elle m'a dit qu'elle allait mourir. Et voilà qu'elle était contente parce qu'elle avait pris mon frère et tout ça. Et l'imam elle a dit, bon, ça veut dire déjà que voilà, elle est partie de votre fille, donc si elle est morte, que voilà, vous allez revivre tes parents, tes soeurs et toi, normalement. Et il lui dit, ouais, aussi, elle m'a dit qu'il ne fallait pas jouer avec nous parce que vous ne serez jamais les vainqueurs face à nous. Et voilà ce que je lui ai répondu, que si, on sera toujours vainqueur parce que on a le Coran, on a la foi. Et là, l'imam, il lui dit, tu m'as bien répondu. Et il lui dit, quand même, il y a Jassim, tu peux pas, tu as une responsabilité maintenant, en fait, de parler de l'histoire de ton frère. Pour que s'il y a n'importe quel jeune, ou n'importe quelle personne, en fait, qui tombe sur ce livre-là, maudit, ne va pas jouer. Comme ça, ton frère, malgré lui, ce sera un exemple. Et c'est pour ça que Jassim, il avait décidé d'écrire à plein d'imams et qu'il avait décidé aussi de faire des fois des interventions dans les mosquées pour raconter l'expérience qu'ils avaient vécue traumatisante, de comment son frère il était jeune, de les rêves qu'il avait et de la destruction qu'il s'est lui-même fait. Et de tout ce qu'ils ont traversé et de sa mort, de sa fin tragique, comment il est mort, et voilà, pour les mettre en garde que c'est pas des lol, c'est pas des jeux, c'est pas, il faut pas prendre ça à la légère, il faut vraiment prendre ça très sérieusement et qu'il fallait pas jouer avec le feu. Donc c'est ce que maintenant Jassim, voilà, il fait. Après, il dit qu'il n'a plus jamais rêvé de Neria ou senti des choses bizarres comme la période où son frère il était vivant, il est quelques temps après, non. Il est bien, il est tranquille, il est, alhamdoulilah, comme il dit, voilà, ils vivent très très bien. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère que cette nouvelle story time horreur vous a plu. Je sais que ça a mis du temps à ce qu'elle vienne, mais franchement, applaudissez-moi pour cette trouvaille et cette pépite, cette histoire qui fait peur, vraiment. Oh, maman, alors là, franchement, quand je l'ai écoutée moi en arabe, je vais pas vous mentir, hein, je l'ai écoutée sur plusieurs jours parce que en plus la C'était trop stressant. Donc, attendez, mon truc, il va s'éteindre. Je le branche.
Ah, c'est bon. Non, c'est pas étonnant. Donc voilà, ça faisait vraiment trop flipper. Je vous raconte pas. L'horreur. C'était... voilà, bah, de toute façon, c'est une story time horreur, meuf. Tu t'attendais à quoi? L'histoire des Charlotte aux fraises. Là, j'ai enlevé le rouge. On va un peu se calmer. J'espère que, voilà, cette histoire, je voulais vraiment vous la raconter dans une ambiance vraiment crée, quoi. Crée, ça veut dire peur, dans une ambiance de peur, pas peur, voilà. Dans une ambiance vraiment, vraiment flippante. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Moi, j'étais trop contente. Voilà, peur quand je l'ai écoutée, mais contente de vous la raconter parce que je sais que vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander ce genre de story time là. Donc je suis contente de l'avoir trouvé. Je vais essayer de vous faire un joli montage et de vous la poster au plus vite. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez en commentaire Jassim merci. Jassim merci parce que quand même, voilà. Il nous a raconté l'histoire de son frère, le pauvre, dans les moindres détails. Et voilà, ça m'a fait trop de peine pour lui. Et même pour Wahil, parce que en fait, Wahil, quand je regarde, quand j'analyse, quand il a vu qu'au début, il n'y avait pas de résultat, il a dit « Ouais, ça c'est un game, c'est un jeu, c'est normal, c'est normal. » Mais quand ça lui arrive en vrai, en fait, le pauvre, il a été dépassé. Donc si vous entendez mon ventre gargouiller, là, c'est parce qu'on n'a rien mangé, parce que ce soir, on va manger une frissa. Je vais vous mettre une photo pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. Voilà, une frissa se trompe. Donc, voilà. Mais écrivez ça. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez-moi en commentaire. Merci, Jason. Et quant à nous, on se retrouve très, très vite. Ah oui, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Et merci beaucoup aussi pour la vidéo qui était juste avant celle-ci, pour tous vos nombreux commentaires. Vraiment, ça m'a touché. Ça m'a touché. Je vous aime. I love you. I love you. I love you bzzef. Je vous love bzzef. Je vous love beaucoup. Donc, voilà. Petit à petit, slow motion. Je vous fais un décor. J'essaye de m'améliorer. Et voilà, on est ensemble. J'espère que vous allez aimer vraiment cette histoire parce que moi j'ai kiffé. C'est vraiment la peur qu'on attend et qu'on veut et qu'on attend sur ma chaîne. Et je pense que sur cette vidéo, le contrat est rempli. Donc voilà, je vais vous laisser. I am fine. Je vais aller manger. Si vous sentiez l'odeur, galbi, comment ça sent bon. Je vous fais de gros bisous. Merci à tous. Ajoutez-moi sur les réseaux. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle story time horreur que j'ai déjà, je pense, en tête pour vous. Je vous fais de gros bisous et à très très vite. Bye.